Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, nous qui parlons encore cette belle langue de Molière après des siècles et des siècles. 9 novembre 2019, 5h47, heure du Québec, je vous l'avais dit, on irait faire un tour dans les séismes et les tremblements de terre des dernières heures. Vous allez voir qu'il y en a énormément, vraiment, là. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens pour ça. On a ceux qui sont produits, hein, il y a quelques 48 heures. Jeudi, le fameux tremblement de terre, hein, à Mindanao, aux Philippines, 5.1. Ça, c'est les plus importants, mais il y en a tellement d'autres. Je ne peux pas toutes vous les énumérer. On en aurait pour des heures. Dans l'océan Indien du Sud, 7 novembre, hein, on peut voir l'épicentre ici, 5.1. On est à Tonga, dans les îles, hein? Tremblement de terre de 5.8, vendredi, à Iifo, Samoa. On peut voir l'épicentre ici. Dans les îles Fuji, 8 novembre, vendredi, 6.5. Toujours dans la même région, hein, de Tonga, on peut voir, les îles Tonga. On est en Russie. Encore vendredi, 5, dans les îles Kouriles. Beaucoup d'activités dans ce coin-là aussi, depuis quelques années. 5, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est aujourd'hui. Toujours dans la même région, hein? Donc, on peut voir que c'est une région qui est très active dans les dernières heures. Et au Guatemala, ça, c'est un petit peu plus sérieux. 5.2, ça semble être sur Terre. Ça semble avoir touché Terre. Ça, c'est arrivé il y a quelques instants, vraiment. On aura sûrement des rapports de celui-là. Les autres sont en haute mer. Hein. C'est peu d'incidence. Mais ici, on est vraiment, je pense qu'on a l'air d'être sur la Terre. 5.2 au Guatemala, entre autres. Donc, plein d'activités volcaniques. On sait qu'il y a eu des vents solaires hein, qui ont traversé ce trou coronal. Sûrement qui maintenant ont atteint la Terre hier et aujourd'hui et demain. Donc, on aura beaucoup d'activités sismiques suite à ces vents solaires remplis de protons et d'électrons. Mais vraiment, beaucoup d'activités. Et c'est pas bon signe.